Et nous passons sans plus tarder à la question numéro 5 qui porte sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie, boulevard Pasteur. Et donc il s'agit d'approuver une convention. Et je donne encore une fois à Philippe le dossier. Installation d'un relais de radiotéléphonie, boulevard Pasteur, approbation de la convention. La Société française de radiotéléphonie, SFR, dont le siège social est 42 avenue de Friedland à Paris, représentée par M. Louis Chardonnereau, souhaite installer des dispositifs d'antenne et d'équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications sur une partie d'environ 88 mètres carrés sur une parcelle 6 boulevard Pasteur, cadastrée AX136, appartenant à la ville d'Avranches, dans l'enceinte du stade synthétique loué. Ces installations de télécommunications seront composées des équipements techniques suivants, en lieu et place du pylône d'éclairage actuel du stade. Un pylône d'une hauteur de 20 mètres environ, supportant divers dispositifs d'antenne, d'émission, réception et faisceau hertzien. La réinstallation de l'éclairage du stade sur ce nouveau pylône aux frais de SFR. Des armoires techniques et, le cas échéant, des dispositifs de climatisation. La ville autoriserait également SFR à raccorder entre eux, par câble, les équipements susvisés, ainsi qu'à raccorder le local technique, notamment aux réseaux d'énergie et de télécommunications qui seront à la charge de SFR. La durée de la convention qui sera signée à cet effet sera de 12 ans, à compter du premier jour du mois suivant, sa date de signature par les parties. La redevance annuelle sera de 2 500 € hors taxe. En accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention correspondante. En fait, il s'agit ici de remplacer l'antenne qui se trouvait avant sur le château d'eau. Y a-t-il des questions techniques ou autres, d'ailleurs, concernant l'installation de cette antenne? Non, personne n'a besoin d'être mieux informé. Eh bien, dans ce cas, nous allons mettre au vote cette question numéro 5. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, dans ce cas, nous constatons qu'à l'unanimité, le Conseil municipal se prononce en faveur de l'installation de ce relais de radiotéléphonie ou leur pasteur.